Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre carrière FDJ, on continue, on est sur le Tour d'Oman et avec un plateau. Donc on s'est quitté la dernière fois, nous étions en Colombie avec une arrivée au sommet domptée, maîtrisée par Geraint Thomas. Ben, là maintenant on va aller à Jabal al-Qadar avec le Mont Vert. Une arrivée à des forts pourcentages, les écarts risquent d'être impressionnants parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrence de ce côté-là. On va tenter de finir ensemble ce Tour d'Oman pour terminer cette période, ce mois de février très très dense du cyclisme. Geraint Thomas qui a une sinusite, mais ça ne l'empêche pas du tout de s'imposer. On le voit ici, Thomas sinusite, mais il s'est imposé au train, le leader de la formation Ineos. Au train, il était allé chercher cette étape à 7 secondes hein, avec Godu et Reichenbach. Donc, on va remettre ça pour bientôt. Alors, on attaque ici Vincent Léo qui est bien positionné. Il est 3e au classement général et le Franc-Comtois attendu ici 20e. Il devrait normalement, en fait, on doit s'imposer. Bah, la tactique aujourd'hui, c'est simple. Donc, on va monter à ce niveau-là. Au train, préparer les attaques avec peut-être Vincent Léo. Qui va peut-être un petit peu voilà changer enfin aller bousculer un peu tout le monde donc on va voir un petit peu. Donc ça sera pour Pinot et contrôler tout le monde, Tao, contrôler Laurence de plus qui me semble être un peu plus fort aussi. Il y a Ben Hermans, donc on va voir un petit peu. Donc les favoris, ben il y a Hugh Carty et on retrouve Roman Kreuziger que j'ai même pas vu hein. Roman Kreuziger qui est un petit peu discret jusque là, il y a Laurence de plus et il y a Tao Jagan et Ben Hermans qui enchaîne les courses. Alors on va un petit peu regarder allez, tout ce qui est ici pour nous, les mails c'était où encore, c'était là, équipement, donc ça c'était déjà fait. Ça c'est les autres équipes. On regarde un peu les équipements, ce que ça donne de notre côté matériel. Ah donc, on a encore, il faut encore progresser, donc il faut utiliser pour permettre le test plus rapidement possible. Alors on attaque, c'est arrivé le Mont Vert avec les favoris qu'on a déjà cités tantôt. Et sans plus tarder, on y va pour le Mont Vert. Let's go! On est à 14 km du Mont Vert, je vous montre un petit peu ce qui attend le peloton. Il y a une portion noire extrêmement difficile. Là, il faudra pas du tout s'aventurer. Et là, on est en train de préparer les sprints intermédiaires pour les sprinteurs. Je vois qu'il est parti là-bas avec Lorenzo Manza, que l'on voit. On va aller déposer Lorenzo Manza. Et derrière, il y a De Beus, Lorenzo Manza, qui va se faire doubler sur la ligne. Non, je pense que c'est Lorenzo qui passe devant. On a 10 km de l'arrivée. Et les leaders se repositionnent. Ah, on a déjà Vincent qui est là, le Franc-Comtois. Et ici, c'est Magnus Cort Nielsen qui prépare le terrain pour Hugh Carty. Lui qui fait partie des favoris hein, pour cette arrivée de Jabal al-Qadar. Le Mont Vert, c'est parti, on est au pied et c'est parti. Thibaut qui rentre en premier. Ah, Carty qui s'écoule en premier, le cocotier. Ça accélère le rythme là-bas avec Thibaut Pinot. Et dans sa roue, il y a Roman Kreuziger. Il y a Ben Hermans également qui tente de sortir. Mais le tempo imposé par Thibaut Pinot empêche à Carty de prendre ses distances. Pas d'attaque à 5 km. C'est une montée courte. Donc les écarts ne seront pas vraiment impressionnants.
Allez, donc Pino qui vient calmer un peu tout le monde là. Carty qui a grillé un petit peu sa cartouche en premier là, il va se faire contrer. Il a attaqué. Maintenant on a la portion la plus dure là, donc c'est lui qui va attaquer maintenant. Il va vraiment se faire contrer. Donc on monte au train. Attention, hein, Léo Vincent qui est bien positionné. Eh, il va bouger. Eh, il bouge. Léo Vincent qui avait les fourmis dans les jambes, il va bouger. Le leader du classement par points, de montagne plutôt. Et les meilleurs jeunes également de cette édition. Et Roman Kreuziger qui sort. Et dans sa roue, il y a Thibaut Pinot. Roman Kreuziger qui emmène Pinot. Grosse accélération de Kreuziger et Thibaut Pinot dans sa roue. Laurence De Plus n'est pas dans ce groupe-ci. Et Sepp Kuss qui est en train d'emmener Laurence De Plus. Pinot et Kreuziger sont devant. Et le franc-comtois va contrer. Il va contrer Roman Kreuziger. C'est un petit peu essayer de voir où en est tout le monde. Laurence De Plus est en train de revenir avec le travail de Sepp Kuss. Et les écarts sont pas vraiment énormes. Hein. Les Sepp Kuss s'écartent. C'est De Plus qui revient. Carty dans la roue de De Plus. Et il y a Ben Hermant également. Pinot n'arrive pas à se voilà, Roman Kreuziger qui doit laisser Pinot. Et De Plus qui fait un gros effort là pour tenter de recoller dans la roue de Pinot en sprintant tout en sprint. Laurence De Plus est en train de limiter la casse. Il revient et il va contrer Pinot. Et donc voilà, 300 mètres. Thibaut n'a pas encore sprinté. Voilà, Thibaut va aller chercher cette victoire d'étape. La victoire du franc-comtois devant De Plus, Jutkarty et Vlasov. Très bonne montée ici. Les écarts ne sont pas du tout impressionnants. La victoire du franc-comtois sur ces monts verts. De toute façon, il n'y avait vraiment pas de concurrence, mais très très belle montée derrière de Laurence De Plus, qui est revenu au prix d'un gros effort en sprintant carrément dans la roue du franc-comtois. Les écarts sont minimes, donc la course n'est pas encore pliée. Il restera, il faudra encore contrôler Vlasov, contrôler le coureur de la Jumbo-Visma, Laurence De Plus, qui devrait peut-être rejoindre. Il est en discussion avec la formation Ineos pour essayer d'épauler Egan Bernal. Pinot donc s'impose ici et on fait coup double. Très bonne montée également hein, de Léo Vincent qui a fini dans le top 15, 11e sur cette étape. Regardez le franc-comtois qui coupe son effort et les écarts sont vraiment minimes. On va regarder un petit peu le classement à la sortie de cette étape. Victoire donc du franc-comtois ici, bah, il faudra garder Laurence De Plus à l'œil. Hein, donc c'est, il a montré une très bonne. Il est très bien monté là, il n'a pris que 4 secondes. La petite accélération de Pinot. Et derrière, il y a 14 secondes avec Jutkarty, Vlasov qui termine à 14 secondes. Et le classement général, c'est Pinot qui est devant Laurence De Plus. Classement par points. Ah bah il fait coup double, hein, même coup triple, je pense. Il va même aller chercher le classement par de montagne. Laurence De Plus qui détrône tout de suite notre jeune Vincent Léo. Et on est très loin, on est troisième au niveau de classement par équipe. Donc il restera maintenant cette étape-ci où tout peut arriver sur cette étape. Donc on va contrôler. Donc là, l'objectif est juste de contrôler la course parce qu'il n'y a plus rien à voir. Première victoire de Pinot, hein. Faut pas l'oublier, c'est la première victoire de Pinot. Est-ce que le sponsor... Non, pas le sponsor, en fait, ils sont contre-fiche. Alors, donc on va aller du côté Tour de Provence, je pense pas. Hein. On va plutôt aller en Colombie pour ce Tour de Colombie. Tour de Provence, on a quand même Madouas. On va voir. Alors, Tour de Provence, 15 février, avec cette étape. Non, bon, ça... Franchini, il peut peut-être attaquer. On va simuler. C'est pas très important, tout ça. C'est pas des objectifs, histoire juste de... histoire de permettre à nos coureurs de faire la course... Tom Dumoulin était quand même aligné hein, ici avec Jack Egg. Il y a Diego Rosa également, le coureur de l'Arkea Samsic. Je pense qu'on va aller à Tour de Provence. Bon, ça c'est pas vraiment important.
Sincèrement, j'aime pas ces genres de courses où on va faire ça et on va simuler. Comme ça, on gagne du temps et puis vous aurez pas d'épisode long. Parce que les derniers épisodes étaient très longs. Hein. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Sam Woman qui s'impose ici, le coureur de la team Sunweb. Ah, celui-là, on va peut-être aussi essayer de le recruter. Il est pas mal. Sunweb. Comment on fait déjà pour... Dans son contrat, c'est terminé en 2021. Et il est heureux là où il est. On va essayer un peu de l'attirer, désolé. Alors, on va attaquer cette Tour de Colombie avec une arrivée en faux plat montant. Ça sera probablement pour... Voilà, ils sont là, Greg Van Avermaet, attention, Garen Thomas, Godu, pas mal également. On a du punch à revendre. Et on va contrôler, je pense que la tactique sera simple, c'est juste rester dans la roue de Greg. Personne d'autre, Greg, en fonction du positionnement, c'est Greg qu'on va cibler. Allez, let's go. Allez, on va faire ensemble les 12 derniers kilomètres. Donc la tactique que l'on va employer, c'est juste rester dans la roue de Greg Van Avermaet, lui qui est favori. C'est une arrivée pour puncher. Une petite côte. Bah, c'est celui qui a le plus de punch qui va essayer de s'imposer. Bah, et nous, on va tenter de suivre la roue de Greg Van Avermaet qui est quelque part ici. Masnada, Powels, il doit être quelque part là. Van Avermaet qui est là. On a Godu dans le show, dans le peloton. Ici, il est où Garen Thomas? Il est là. Le leader du classement général qui est là, dans la roue de Godu. À 5 km de l'arrivée. Et il y a une petite cassure derrière. Ça n'a pas suivi le tempo imposé au pied. On va aller très 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 fort ici avec les Ineos de Carapaz, donc des Narvez qui rentre en tête au pied de ces dernières difficultés. C'est parti. Accélération de Chevrier. À 2 km du sommet. Van Avermaet bien positionné. Et Reichenbach dans la roue de Greg Van Avermaet. On est là. Godu également. Donc comme chose du chose. Ah là là. Van Avermaet n'a pas. Il n'a pas voulu continuer son effort alors que Cosnefroy, à 1 km, place une accélération. Et derrière Powels, donc on remonte ici avec Reichenbach, mais c'est trop tard. Powels qui lance ici, les sprints est lancé pour Garen Thomas, ça sera peut-être pour Thomas. Attention, c'est Froome qui passe devant porte. Christopher Froome s'impose à la surprise générale. Victoire inattendue du leader de la formation Ineos, Christopher Froome, l'homme aux 7 grands tours. Il s'impose ici alors que, ouf, on n'attendait même pas, on s'est fait perdre un petit peu, on s'est perdu dans la roue de Greg Van Avermaet. Il n'a pas voulu continuer son effort tellement qu'on avait pris sa roue, il nous a piégés et on se retrouvait très 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 bas. Et ben bon, on perd du temps sur Richie Porte. Mais bon, Thomas n'a pas pris de points, on le voit ici, il a laissé la victoire à Christopher Froome qui sauve un petit peu sa saison, lui qui revient d'une grosse blessure. Il termine donc devant son ancien coéquipier et pote Richie Porte. Et ben, la victoire de Chris Froome ici, victoire donc, deuxième victoire d'étape pour la formation Ineos. Après Thomas, ben, c'est un autre Britannique, le Kényan blanc Christopher Froome s'impose. Bon, on n'a pas perdu le temps, on est resté dans le groupe. Et il y a eu une petite cassure de 30, donc juste après Greg Van Avermaet, il a vraiment fait le chien, il est resté, il n'a pas voulu sprinter. Il n'a pas voulu qu'on reste dans sa roue, donc statu quo, Richie Porte reprend, on va dire 3-6 secondes. Pardon, à Garen Thomas avant l'arrivée au sommet, cette grosse étape, et qui va être donc la dernière également de notre épisode. On va continuer donc, on sera... du côté, on va attaquer, on va enchaîner avec l'étape piège ici à Oman. Il faudra juste contrôler, donc on va juste contrôler Laurence de plus. Laurence de plus, on va pas faire de, on va pas faire en trop. On va le contrôler, on va surveiller Laurence de plus. Et Pinot qui monte progressivement hein, à l'approche de à 3 semaines de son objectif.
C'est pour bientôt à 22 jours. Dans 22 jours, donc il va être à Paris-Nice, c'est déjà très bien. Il est à la moitié de son pic de forme. Ça va tomber pile poil pendant Paris-Nice. Donc on attaque ici, il est leader, donc on va contrôler cette course, contrôler Laurence de Plus et contrôler tous les autres leaders. C'est ça la tactique. Contrôler tout le monde, ne rien faire, contrôler, laisser l'échappée aller au bout. S'ils veulent chercher l'étape, qu'ils mettent le moyen. Sinon, on laisse l'échapper. On va laisser peut-être partir Vincent Léo pour aller conforter, chercher peut-être la tunique de meilleur grimpeur. Allez, let's go. On a eu une course de mouvement, mais Pinot pas du tout inquiété parce qu'il a une jambe au-dessus, une jambe au-dessus des autres. Et là, il va y avoir un petit regroupement, 25 coureurs, voilà, 35 coureurs. Ces deux codes ici ont fait très mal, mais Pinot était là. Il a répondu aux accélérations de la formation Israel Starting Up. Et il y avait aussi la Jumbo Visma de Tim Wellens qui ne fait de Laurence de Plus, en fait, qui ne fait que contrôler la roue du franc-comtois. Ben nous, ça nous arrange de toute façon, tant que... de toute façon, c'est pas à nous de faire la course, hein, donc tant que c'est pas Laurence de Plus qui est devant, qui ne prend pas de temps, donc ça va. Je vous montre un petit peu à l'approche de cette dernière difficulté, je regarde un petit peu le classement, donc on a 4 secondes devant de Plus et Hugh Carty, donc ce sont des concurrents directs qu'il faudra contrôler. Donc dernier passage ici sur ces cols-ci, moins difficiles que les autres. Et c'est le deuxième passage hein, de ce col-ci. Maintenant, il va y avoir un sprint au sommet. Il faudra reprendre un petit peu le temps. On va voir un petit peu là. Alors, la formation Israel Starting Up qui durcit la course pour celui-là, pour Ben Hermans. Accélération ici hein, de l'Israel Starting. Et Pinot avec les gags au tempo. Regardez le marquage. Allez, ça accélère ici. Neyland, Garbel. Voilà, c'était comme ça tout au long de l'étape. Ils n'arrivent pas du tout... Attention, ça va partir avec Ben Hermans, on lui a préparé le terrain, et on prend tout de suite la roue. On part avec Ben Hermans, et derrière, Laurence de Plus demande à Robert Racing d'accélérer le tempo. Ah, il s'est relevé, mais c'est dommage, il s'est relevé, pourquoi il s'est relevé? Ah voilà, Pinot qui fait le sprint au sommet, histoire de prendre un petit peu de points, là, il y avait des sprints à aller chercher. Attention, il va y avoir une cassure ici, 6 coureurs, ça continue, Laurence de Plus va tenter d'y aller. Non, Pinot le bloque, et c'est Ben Hermans qui y va. Personne ne va aller chercher la roue de Ben Hermans. Pinot essaye de prendre la roue de Ben Hermans, mais vous connaissez la descente, et Pinot, ça fait deux, hein. Qui va aller chercher Ben Hermans? Le Belge semble avoir fait le trou, là, 14 secondes, 16 secondes, et derrière, il y a un marquage. Hugh Carty, Pinot, Laurence de Plus, surtout. Alors, on attend la formation... attention, la formation Jumbo Visma qui va tenter d'aller chercher l'homme de tête, Ben Hermans qui a 21 secondes, Robert Racing est en train de faire l'effort, le forcing, 16 coureurs pour revenir sur Ben Hermans qui s'envole là vers une victoire, attention à l'accélération de Vlasov le russe qui fait le jump, mais l'Education First va réagir, non c'est Robert Racing qui va aller encore chercher le russe, 9 secondes, ils étaient revenus à 9 secondes, Pinot va tenter... Ah bah marquage entre Pinot et Laurence de Plus, bah ça va profiter au Belge Ben Hermans qui va s'imposer, victoire ici de Ben Hermans, ici derrière c'est Vlasov qui lance le sprint, Vlasov qui va tenter d'aller chercher le deuxième place, mais non c'est Pinot qui va aller chercher, et devant c'est la victoire de Laurence de Plus, et derrière c'est Thibaut Pinot qui règle le groupe ici, donc on prend des bonifs et on repousse encore, on repousse davantage Laurence de Plus. Ben Hermans s'impose ici, bah, il a profité un petit peu du marquage qu'il y avait entre les top 3 et il s'impose donc lui qui continue en fait hein, son bon début de saison. Il poursuit sur sa lancée et Pinot qui termine donc deuxième. On a juste contrôlé, il fallait suivre les roues, rester dans les roues en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et on prend du temps, on reprend du temps à Laurence de Plus avant la dernière étape, donc on était tout seul. Voilà, victoire du coureur d'Israel Starting Up et qui va rejoindre, accueillir plutôt le Kenyan blanc. A défaut d'une victoire, ben on s'impose quand même, on reprend des secondes à Laurence de Plus, lui qui était à 4 secondes, il va être repoussé
maintenant à, on va dire, 9 secondes, enfin, il sera plus 9, ça fait, il sera peut-être à 13 secondes de Pinot à la sortie de cette étape-ci. On va voir, donc il est à 4 secondes, 4 plus 9, il doit être à 13 probablement. 13 secondes, voilà, il est repoussé à 13 secondes et il voit plutôt, il voit par contre Ben Hermans revenir à 14 secondes avant la dernière étape qui est aussi accidentée, donc ça sera sur, sur notre épisode. Et là, on va aller en Colombie pour finir en beauté une arrivée au sommet avec le gros du peloton. C'est les Geraint Thomas et la formation Ineos au complet. Tenter de contenir cette formation, ben, on va d'abord essayer de pas limiter la casse, enfin de limiter la casse plutôt, et essayer de faire de bons résultats, c'est-à-dire un top 5 peut-être. On va voir ce que ça va donner, et ça dépendra également des formes de jour de nos coureurs. Donc on va aller, attention, dans 3 jours on sera au Portugal à Algarve pour le tour, la Volta à Algarve, et ensuite 3 semaines on va commencer le premier objectif de notre sponsor. Ça, Tour de Provence, vous le savez déjà depuis pas mal de, enfin depuis un bon bout de temps, c'est simulation, on passe. Malgré voilà, Tour de la Provence, c'est la dernière étape du Tour de la Provence, ça va être remporté par Bolsec, s'impose dernière étape, et Samomen qui enlève ce Tour de la Provence, une 11e place pour Rudy Mollard. Alors on continue, on va aller en Colombie pour cette étape-ci. Reichenbach qui a un plus 1. Et plus 1 pour Reichenbach. Et plus 1 également pour notre leader. Enfin, nos deux leaders ont plus 1. Et on regarde les favoris. Bah, ça c'est une montagne. Hein, donc une arrivée au sommet. Et les favoris, Thomas, Carapaz, Chris Froome. Reichenbach qui est très en forme, hein. Lui il a une forme, regardez déjà, il a 78, alors que Godu baisse d'une caractéristique, pas très en forme, il a 82%, alors que lui il a 93%, donc on va jouer la carte des deux. Je pense pas que Thomas soit, soit également à 90%, mais bon, allez, let's go. Donc la tactique c'est simple, hein. Donc c'est suivre le train d'Ineos. Regardez déjà le 3 étoiles, ce sont les Ineos, et après il y a les FDJ. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça va être Ineos, et essayer de contenir déjà de rester vivant lors de ces trains que l'Ineos va imposer. On va suivre le train, et si on se décroche, tant pis. Et si on s'accroche, tant mieux. Et on gardera la roue de Geraint Thomas en regardant comme s'il va y avoir une défaillance de Thomas sous la flamme rouge. Et là, on passera en attaque. Allez, let's go. Arrivée complètement difficile à Manizares qui attend le peloton. Une arrivée après 10 km de montée. Le peloton n'est pas encore préparé à faire ces genres d'efforts, efforts violents qui attend le peloton ici. Les hommes forts doivent s'expliquer sur cette arrivée-ci. Bah, on attend Geraint Thomas avec bien entouré par sa formation Ineos. Et là, c'est la Bahrain McLaren qui prépare le terrain pour Dylan Teuns. Et on retrouve les FDJ avec le Groupama FDJ avec Reichenbach et Godu. Du point de vue des formes, Reichenbach a une bonne forme en fait du jour, il a plus 1 alors que Godu est dans le négatif. Godu il est 3ème, vous avez moins 1, et Reichenbach lui il a plus 1, donc on va compter beaucoup plus sur Reichenbach que sur Godu. Godu va être là pour aller poursuivre un petit peu les attaques avec son accélération, donc ça pourrait faire quelque chose. Donc c'est parti, les CCC pardon, de Greg Van Avermaet qui roule, je sais même pas pourquoi, pour revenir peut-être sur les hommes des têtes qui vont d'ailleurs se faire avaler par le peloton. Regardez le pourcentage, c'est un très très long effort, donc on est aux alentours de, on est peut-être aux alentours, voilà, 8%. Alors c'est parti pour cette montée, 8 km, c'est parti, plus d'échapper, attention, Ricky Porte est parti. Attaque de Richie Porte, il est sorti ici. Richie Porte est parti avec Serge Powels. C'était pour préparer le terrain. Hein. C'est pour ça que la CCC est en train de rouler. Et derrière, c'est les Bahrain McLaren qui roulent, qui reviennent ici pour reconnaître. Ils roulent pour Dylan Teuns.
Christopher Froome est devant, une autre accélération, il répare encore Richie Porte. C'est dans ses habitudes d'accélérer et il n'a pas attendu, lui qui est... il est 8e au niveau du classement général. Et Christopher Froome va venir chercher tout le monde. Voilà. Ça monte au train. Richie Porte a tenté en premier. Il va se faire contrer hein, parce que cette montée, on est encore à mi-col. Et il reste encore de gros pourcentages à la fin. Et Reichenbach qui pointe son bout de nez. Richie Porte qui demande à Kenny Ellison de le raccompagner. Amador, là, impressionnante hein, la formation. Ineos avec Carapaz à 4 km de l'arrivée. Et Geraint Thomas n'a pas bougé. Attention là-bas derrière, Caruso qui rame un petit peu. Geraint Thomas, il est où Geraint Thomas? Le leader du classement général, je le vois pas du tout. Allez, Reichenbach qui se repositionne. Thomas qui est là, oui, il est là. Geraint Thomas en plein milieu du peloton, à 3 km de l'arrivée. Personne n'a bougé maintenant. Ah, ça se regarde, Reichenbach qui se repositionne. Bon, on a peur, Sosa qui va bientôt se ranger à Dylan Teuns, qui prend son courage à deux mains et il va accélérer. Le Belge va y aller et il est loin du classement général. Les Ineos ne vont pas du tout aller le chercher. Ah, ça sera peut-être pour lui, hein, cette étape. Dylan Teuns qui est sorti et derrière, Reichenbach qui tente un petit peu de sonner la révolte. Attention, Gaudu qui va. Attaque des Gaudu. Christopher Froome ne va pas laisser partir Gaudu. Accélération du maillot blanc qui fait très très mal à Christopher Froome. Et Geraint Thomas va tenter maintenant de limiter la casse. Les leaders du classement général qui sort ici. Ah, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Ah, sous les kilomètres, il n'est pas bien. Grosschartner qui coince. Reichenbach l'a compris. Il faut y aller chercher. Il faut aller chercher le maillot. Serge Paul, Dylan Teuns, ça va, qui coince Geraint Thomas en danseuse. Il n'arrive pas du tout à tenir la cadence de Reichenbach. Reichenbach qui dépose Dylan, Geraint Thomas et il va finir deuxième. Troisième pour Gaudu, quatrième pour Geraint Thomas. Ah, je pense qu'il concède. Il va laisser filer le maillot. Dylan Teuns s'impose ici à la surprise générale, mais Geraint Thomas en fait a masqué son jeu. Teuns avait compris, le coureur de la Bahreïn McLaren. Et sorti, quand il est sorti, bah, personne n'est allé chercher le Belge. Bah, en fait, les Belges sont en train de s'imposer ici. Hein. Il y a eu Ben Hermans à Oman. Et ici, on termine avec Teuns et 2-3 également pour la FDJ. Je pense que Thomas, en fait, est encore à 80% de forme, ce qui nous a permis un peu de revenir. Je ne sais pas si on prend le maillot sur cette dernière étape. On va voir un petit peu, peut-être. Hein. Je croise les doigts pour le maillot parce que Thomas a craqué, il a concédé quelques secondes là, hein, près de 10 secondes peut-être. Et le Reichenbach termine dans la même seconde, sur la même seconde que Dylan Teuns. La victoire de Dylan Teuns, le plus fort, mais il prend pas le maillot, hein, tout de suite en effort, donc on veut en extrême, je pense que ça sera pour... On va regarder un petit peu, hein, parce que je pense pas qu'il y ait d'écart entre Teuns. Et voilà, donc vous voyez, ils ont tous fini dans la même seconde, alors que Geraint Thomas a concédé 25 secondes. C'est Reichenbach qui prend la tunique et en fait 1 et 2. Geraint Thomas qui finit 4e à 20 secondes. Et ben, on était venu, on a gagné, on remporte la tunique ici, devant, au nez à la barbe de Geraint Thomas, qui n'est pas encore en forme. Et au niveau du classement du grimpeur, Thomas a conservé cette tunique. On repart avec cette tunique également de meilleur jeune. Et on est très loin au niveau du classement. Donc ça, c'est la surprise générale. Donc Geraint Thomas qui concède en fait dans la dernière étape l'arrivée. Et il était très très très... il n'est pas en fait en forme, Geraint Thomas. Pas encore en forme, il monte en puissance. Et là, il concède 25 secondes. Dylan Teuns donc s'impose ici, le coureur de la Bahreïn, McLaren. Grosse accélération. Il a placé une accélération et il est parti. Et Gaudu, grâce à son accélération, on a vu que... La formation Ineos n'était pas du tout en forme, le Carapaz et tout ça. Ils ont limité la casse, mais Thomas n'avait pas les jambes pour aller chercher Reichenbach. Donc voilà, on va s'équiter sur cette top 10. Ici, on est très bien, on remporte ici le Tour de Colombie et probablement le Tour d'Oman lors du prochain épisode que l'on fera. Reichenbach qui fait un très bon résultat parce qu'il finit, il remporte la tunique. Et ça pourrait peut-être faire plaisir à notre sponsor pour une fois. Ça va peut-être lui retirer un sourire, je l'espère en tout cas. Non, pas du tout.
pas du tout de sponsor, on n'a toujours rien à cirer. Victoire donc de Pinot sur le route d'Oman, victoire de Reichenbach pour le classement général. Il s'impose donc des bons augures pour lui qui sera aligné à Paris-Nice, il va aller en fait à Andalousie pour encore peut-être retrouver Chris Froome et Geraint Thomas, et ensuite il sera du côté de Paris-Nice, la course au soleil pour épauler Thibaut Pinot. Donc voilà, on s'est dit à très vite les amis pour la suite de votre carrière. N'hésitez pas à liker, prenez très bien soin de vous. À très vite, à samedi prochain. Allez, à très vite. Ciao.